Salut, on est Dan et Andréane. Pour ceux qui sont nouveaux ici, on a commencé notre vlog au mois de mars l'année passée. Et depuis ce temps-là, à tous les dimanches, on poste une nouvelle activité, voyage ou expérience. Cette semaine, on vous parle en direct de Antigua, dans les Caraïbes. On va vous montrer comment ça a été possible de le faire en année de pandémie. Puis, on va vous montrer tout ce qu'on a fait ici. Ça va un petit peu moins vite que les deux heures d'aéroport. On est en ligne, on vient de sortir de l'avion, tout excité, mais là, deux avions qui sont arrivés en même temps. On est content d'être ici, par exemple. Ça fait chaud, j'ai hâte de enlever ça. Ça fait chaud, ça pue. Ça sent le sud! Ouais. Cette odeur-là. Ça a pris du temps d'avoir, mais oui. Ouais. On a loué une voiture, on s'en va chercher ça. C'est comme une minute à côté de l'aéroport et ça va bien. On n'a pas besoin de prendre un taxi. Pour la location de voiture, on avait réservé en ligne. Fait qu'il n'y a pas eu de surprise. On est arrivé ici, il y avait notre nom. On n'avait pas payé, donc on a payé ici. Ça a super bien été. Ils sont pas mal organisés aussi. Là, on va essayer de conduire sur le mauvais bord de l'auto. C'est weird, ça! Je me sens comme Clark W. Griswold dans European Vacation. C'est comme bizarre un petit peu, ça. Tout est pas sur le bon bord, comme... OK, flasher. Ça, c'est la meilleure ride ever. Il y a les piscines de quartier, là, comme... Il faut faire les mains. On est allé pisser parce que ce soir c'est la veille du jour de l'an, puis on fait ça. Donc, je pense qu'on est à bonne place. Puis on ne sait pas ce que les choses valent. Ouais. On sait juste que c'est ça. À suivre. Ouais. C'est un petit peu difficile à trouver notre Airbnb parce qu'on a eu de la difficulté. Là, la madame a essayé de nous rejoindre, elle n'a jamais été capable, fait qu'on n'avait pas vraiment l'adresse. Fait qu'on est arrivé ici, on est rentré, on est allé demander là, si elle pouvait nous aider avec ça, puis finalement c'était ici. Ça va par là? Dans un film d'horreur, j'essaie de me sauver. Je vais vous faire faire le tour de notre Airbnb. C'est la cuisine, salon, cuisine, cuisinière, vraiment pratique quand tu veux faire tes repas. Nous, on avait ça aller à l'épicerie et faire nos propres repas, donc c'était parfait. Ici, c'est la salle de bain. Je pourrais pousser. Ici, c'est la chambre. La vue exceptionnelle. Tant qu'à être dans les Antilles, on va faire quelque chose qui est typique des Antilles. On va... Attends une minute, ne bouge pas. Bougez pas. On a acheté une spécialité de la place. Des nouilles Don Pepe. Pour ajouter à ça. Prego! Finalement, pour un brin de protéines. Chickpeas! Des pois chiches! Parce qu'il n'y avait pas de viande hachée dans le petit dépanneur qu'on est allé, puis s'il n'y avait eu, je pense qu'on aurait fait un. Puis le fromage qu'Andréane a choisi. Happy cow! Au Canada, c'est la vache qui rit. C'est au jambon, je pense. Saveur de jambon? Il y a rien qui dit fromage comme saveur de jambon. C'est au jambon! Et voyons donc. Regarde les petites affaires dedans, à moins que ce soit d'autres. Jambon du jour de l'an? Hey. T'as goûté le jambon? On en profite pendant qu'on a du Wi-Fi à l'hôtel. Pour, habituellement, on organise tout le temps nos voyages à l'avance, mais là, cette année, c'était un petit peu plus difficile là, parce qu'on ne savait pas trop si on était pour venir ou pas.
Fait que ce matin, on part de l'hôtel. Fait que, faut aller faire une épicerie, mais on est le 1er janvier. Fait que je sais pas s'il y a des choses ouvertes. Ça dit qu'il y a 365 plages. Une pour chaque jour de l'année. Si vous voyagez comme nous autres et vous n'avez pas accès à du Wi-Fi tout le temps, Google Maps vous permet de télécharger certaines cartes qui vont être accessibles sans réseau. Fait que nous autres, ça nous a servi à quelques reprises. On va à la plage Dickinson. C'est une des 365. On va faire toutes les pages aujourd'hui. Les deux côtés des resorts, puis regardez qu'est-ce qu'ils mettent sur le top des clôtures des resorts. Ils tiennent vraiment à leurs clients. Les clients qui ont commis des fautes, qui sont là-dedans pour quelques années. Regarde, les autres ici. Pour nos abonnés un peu plus jeunes, vous connaissez Rocket League peut-être, où est-ce que tu joues au soccer dans un stade avec des camions. Ben ici à Antigua, ils ont du volleyball 4 roues. C'est le prochain Rocket League, ça s'en vient dans une station près de chez vous. C'est que ça fait deux plages aujourd'hui, puis tu peux juste te stationner. Là. Il y a tout le temps un petit peu de stationnement. Je sais pas si c'est des stationnements ou c'est juste... stationne là, puis c'est correct, là, mais c'est vraiment accessible, c'est vraiment le fun. Est-ce que vous continuez avec nous autres? À dimanche prochain! Bye! Bonne soirée! S'abonne! Qu'est-ce que j'aime de cette auto-là? C'est que c'est vite! Ça sent comme dans Harry Potter. You got a tune? Nope. Ça a pas bien été. C'est qu'on dit mettre l'angle, bien mettre l'angle. Ça tombe dans la... Ça sent les pouces nous autres. Oh! Là, c'était pas plein, hein?